Les gars, je suis vraiment pour 72 000. Les 72 000 qui s'envolent. Non. Vas-y, bah ce qu'on fait, c'est qu'on commence par une partie enfant. On regarde ce que ça donne. Vas-y, parce que, de toute façon, à mon avis, ça va être compliqué. On prend qui? Prends Claquette. Ouais, Claquette, un vieux... Ah, oh, Yilo. Voilà. Pablo. C'est elle, Pablo Escobar. Du coup, voilà. Donc, je sais pas si vous avez... Zordi. Conseil, vous disposez de 4 jokers. On atteint le high level de des jeux là. C'est vrai. Genre on désactivait une bombe l'autre fois, c'était déjà très intellect, mais alors là. Après là c'est niveau facile là, c'est niveau enfant. Ah c'est niveau enfant, ça c'est pas dit que c'est facile. C'est pas dit que c'est facile, c'est juste dit qu'un gamin a besoin de savoir y répondre. Allez. Et c'est parti pour une toute nouvelle question. Quelle est la particularité d'une licorne? Elle fait des percs-en-ciel. Attention. Oh, je suis déçu. En vrai... J'hésite. Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que c'était pas un dinosaure. C'est vrai. Sans mentir. Un poisson avec des jambes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, pour moi. Pour moi, ça serait la réponse quand même. Tu mets un petit doute là, tu mets un petit... Non, la réponse A est valide. Et c'est le moment de se reprendre. Oui, c'est notre dernier mot. On va pas se mettre la pression tout de suite. Une très bonne réponse. Let's go. Vous voyez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. C'est insultant de dire cette ça. Cette nouvelle question. Le mec est assez rare en plus, genre d'un normal. Quel animal peut provenir la laine? Le mec, ça y est. C'est un niveau enfant, il galère à lire. Ah bon, le provenir, j'ai eu du mal. Pour ça, la phrase, c'est, bon, pareil, bah, c'est bizarre. Les moutons, ouais. C'est le début, c'est tranquille, se mettre dans le bas. C'est la question à 200 euros, ça devrait aller. Et ce sera votre dernier mot. C'est je réponds 200 euros, hop, c'est ciao. Juste pour avoir répondu, ouais. Et voilà, il fait de la une bonne réponse pour vous. Félicitations. Comme quoi, oui. La mémoire est toujours en forme. Allez. Votre nouvelle question est prête. Bonne chance. Ouh, ça tu connais la réponse à moi. Stylex. Ah, je connais aussi. En vrai de vrai, je connais pas du tout. Je vais pas vous mentir, je connais vraiment pas. Ça va être du dubstep. Mais dubstep. Vu que c'est loin. Non, écoutez ça tard l'époque. Tard l'époque, ouais, j'avoue. Je le vois bien écouter du rock avec un gros casque de rocker. What? Non, en vrai, je dirais plus du dubstep. Ouais. Ouais. Là, si c'est ça. On lui fait confiance comme ça là. Non. Genre direct. Troisième question, ça y est, ça repose plus que sur lui déjà. Non, c'est ça. C'est pas du rock, c'est pas du rock, c'est une musique. Je sais pas c'est quoi. Je sais même pas ce que c'est la musette, frère. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Mais oui. T'inquiète. Mais oui. Tu me. Troisième question. Il y a déjà plus personne pour répondre. Venez pas. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. Lequel de ces animaux est un rapace? Un rapace. Ça, c'est une rapace. J'allais dire pareil, c'est simplement ça. Le vautour. Vautour, allez, on enchaîne. Ouais, le vautour. Je vais dire la réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oh, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Après. Et c'est une très bonne réponse. On a encore tous nos jokers et tout, donc pour l'instant, ça va. Après, c'est le niveau enfant. Toujours enfant. Ouais. Trop espoir. Passons donc à une toute nouvelle question. Ah. Mon personnage grec a conquis le Moyen-Orient. Ah. César, c'est pas grec. Napoléon, c'est pas grec. Alexandre le Grand. Ulysse. C'est Ulysse. Bah... Non. Ah, attendez, Alexandre le Grand. Attendez. Attends. Le Moyen-Orient, c'est quoi le Moyen-Orient? Le Moyen-Orient. Bah. Attends, vas-y, dites-moi, c'est quoi le Moyen-Orient? tu vois,
tu vois, t'as des gens, ils sont proches de nous, tu vois. Allô ? Oui. On l'a perdu. Genre Alexandre le Grand, c'est un nom grec. Bah en fait... non mais c'est pas ça, c'est que conquis, tu sais. Genre c'est Ulysse, tu vois, on a les trucs d'Ulysse. Mais vas-y Ulysse, il a fait quoi ? Il a fait l'Odyssée, il a fait des machins. Mais c'est pas un conquérant, tu vois ce que je veux dire ? Bah en vrai j'aurais... En vrai, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais Alexandre le Grand, il y a personne qui a d'infos sur ce mec. Non mec. Bah je sais, je l'ai déjà entendu quelque part. Parce que moi, pour moi, Alexandre le Grand, il a fait plein de trucs dans sa vie. Genre tu sais, il a... Pour moi, c'est le mec qui était là pendant la guerre et... C'est pas le gars, il est sur une table ronde. Non, ça c'est... C'était un roi, Alexandre le Grand. Attends, c'est qui ? En vrai, de vrai, franchement les gars, genre d'un côté, je suis d'accord, tu vois, mais d'un autre gros... Je sais pas, il y a Alexandre le Grand qui me tape à l'œil et je mettrais pas directement Ulysse comme ça, tu vois. Bah moi je dirais plus Alexandre le Grand aussi. Du coup, non mais genre la question elle est posée, genre c'est un personnage, tu vois, qui a... Bah, qui a marqué l'histoire. Genre Ulysse, tu vois, on va dire qu'il a existé, mais vas-y, c'est des histoires qu'on a racontées, tu vois. Genre Alexandre le Grand, genre c'est... Après ça tombe, Alexandre le Grand, il est italien gros, il est pas grec du tout et on tombe dans la merde. Non, c'est sûr qu'il est grec, c'est sûr à 100%, ça je sais, mais est-ce que c'est lui qui a conquis le Moyen-Orient? Parce que Alexandre le Grand, c'est pas lui qu'on appelle Alexandre de Macédoine? Non, moi ça me dit quelque chose aussi. Ça vient de quel pays la Macédoine? Du Moyen-Orient. C'est ça la question. Ouais, vas-y Alexandre le Grand, vas-y. Mais la c'est quasiment sûr. J'espère que tu te trompes pas avec le taboulé. Le taboulé. Mettons-nous d'accord. Mec. Très bien. Alors, je sais que c'était un rôle qui pas mal de choses. C'est pas ça. On a quand même changé de question. Oui. Non, vraiment, je t'ai dit Ulysse, ça me... Ulysse, mec, il a mis la pression. J'ai entendu plein de trucs sur lui, tu vois, genre, mais vas-y, on n'a jamais... C'est pas un conquérant qui a conquis et il est bizarre, un grec, il s'appelle Alexandre. C'est il est temps de passer à une nouvelle question. Le problème, c'est que vous avez réussi à me mettre le doute. Ouais, par contre, il est grec, il s'appelle Alexandre. Quel est le pays le plus au nord ? L'Algérie. L'Algérie. Le Maroc. Ah, ça va être les pays africains, ça. La Turquie. L'Afrique du Sud. Bon. J'enlève l'Afrique du Sud. Par contre, l'Algérie ou le Maroc, moi je dirais. Ouais, j'aurais dit pareil, mais quoi que. Attends. le Maroc, je pense qu'il est plus haut. Ah là là. Ma carte de l'Afrique que j'ai appris à l'école. Tard l'époque. Tard l'époque. Pour moi, le Maroc, déjà, c'est plus sur la côte. Non, je dis de la merde. Pour moi, le Maroc, c'est plus à gauche et l'Algérie, elle monte plus haut déjà. Du coup, tu l'Algérie, vois elle est pas sur la côte, tu vois, elle est un peu plus en dessous. Et le problème, c'est la Turquie. La Turquie. Ouais. Non, je suis une vraie langue. Parce que je vois l'Egypte où elle est, et à côté, je sais pas c'est quoi, tu sais. En fait, pour moi, genre, tu vois, bah, de toute façon, vous voyez un peu l'Algérie où c'est placé. Normalement, tout le monde voit plus ou moins où c'est. Pour moi, le Maroc, c'est plus à gauche, et donc en fait, par rapport à l'Algérie, c'est un peu. Ah putain, non, en fait, ça tombe. C'est après, la Turquie, c'est pas à côté de la Tunisie, les Baïkomas, là, où c'est pas loin de la côte et que c'est facilement accessible au niveau des ports et tout. Aïe, 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 aïe. Ah, la géographie. Bah, après, en vrai, le truc, c'est que là, ça, on parle Algérie, Maroc, c'est vraiment un pays d'Afrique. La Turquie n'est pas du tout dans l'Afrique. Pour moi, ça serait quand même au niveau de. À côté de l'Asie, donc l'Asie, techniquement, est beaucoup plus haut que l'Afrique, tu vois. Je t'avoue que avant que tu le dises, je voyais pas du tout la Turquie en Asie. Mais gros, qu'est-ce que tu dis, la Turquie c'est en Asie. Non, non, mais je crois qu'il a raison. Pour moi, il a raison. On confond là, on confond. En Afrique là. On confond tout là. Bah ouais, bah alors bah, c'est la Turquie. Non, la Turquie c'est à côté tout ce qui est Irak, Iran et tout. Pour moi, c'était en Afrique. Est-ce qu'on n'utiliserait pas un joker pour éviter de perdre ça? L'Algérie c'est forcément en Afrique là. Bah oui, ça c'est en Afrique. Le Maroc aussi, bah aussi c'est la Turquie. Y a T'as le Maroc qui fait la côte gauche de l'Algérie. Mais c'est bon, regarde quand il y a la Coupe du Monde de l'Afrique, l'Algérie joue, le Maroc il joue, pas la Turquie. La Turquie elle fait la Coupe du Monde, elle fait l'Euro. Enfin, elle fait l'Euro. Mais... Elle fait les kebabs. T'es sûr elle fait l'Euro? Ouais, elle fait l'Euro. En vrai. Pour moi, la Turquie c'est la plus haute. Pour moi, j'en suis quasiment sûr. En tout cas, la Turquie, elle fait pas la Coupe du Monde des Nations de l'Afrique, tu vois. C'est sûr. Le problème, c'est que c'est en Asie. Pas la CAN, ouais, c'est ça la CAN. Pour moi, c'est pas forcément l'Asie, mais c'est à côté tout ce qui est Irak et tout. Je vois. C'est le plus au nord, ouais, donc Mais ça reste un peu au sud de l'Asie, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est est-ce que l'Afrique, du côté où il y a l'Algérie, elle monte pas plus haut. Enfin, tu vois.
Mais de toute façon, l'Algérie et le Maroc, entre guillemets, c'est au même endroit, c'est le. Ouais, c'est équivalent. Bah, franchement, c'est on fait quoi, on tente un one shot ou pas? Bah, ouais, pour moi, shot. Je suis quasiment sur la Turquie. Ouais, bon. Ouais, c'est bon, vas-y. La Turquie. Bon, bah, vas-y, on fait ça. C'est là que c'est pas ça. Je remettrai le remake du. Hésiter. Ouais, je suis sûr. Je suis sûr à 100%. C'est intenable. Ah, vous mettez la pression, là, du coup. De on joue pourquoi là 2000 Oui. Les séries sont payées, c'est une bonne réponse. Putain, c'est moi la brêle en géo. On se met des trucs en tête, ça part trop loin et du coup on hésite. Bon, chaud les gosses. Hein. Par contre, je savais pas que. J'espère que vous êtes remis de vos émotions, car voici incroyable. Votre nouvelle question. On te remet en question qu'on a quasiment tous entre 20 et 25 ans. La guerre des clans. Chut. La guerre des clans. La guerre des clans. La guerre des clans. La guerre des clans. La ça, guerre c'est des clans. Les alors, bon, moi... Il y a un piège là, non? En vrai, j'ai vu ça, je pensais aux petits-enfants, mais c'était la guerre des boutons, donc en fait, pas du tout. Rien à voir. Ça serait trop simple que ce soit les humains, non? Et... Bah le problème c'est pas ça, c'est que c'est des livres. C'est pour parce ça qu'on est tous... Des livres. On est coincés. Non mais de toute façon, je sais pas s'il y a eu des films, tu vois, mais là il parle vraiment de livres et aucun de nous bah, c'est vraiment... Après, en vrai, là-dessus, est-ce qu'on n'utiliserait pas le Switch? Genre, on change complètement de question. Ou il appelle un... T'appelles un strobe, non? En vrai, moi sur ça, je préfère demander le public, peut-être. Tu crois? Ça va jamais aller. En tout cas, le Switch, je le garderai pour plus tard. Ça, c'est ouais, quasi sûr. C'est vraiment une question... Là, parce on que... est à 2000 euros. Là, on est à la question pour 4000. Ouais, je sais bien. Mais tu vois, une question comme ça, t'as peut-être un ami ou le public qui sait, tu vois, que la Switch sera vraiment quand tu sais que personne sait. Vas-y, c'est une question. T'as raison. Comme vous voulez. Parce que de toute façon, le 50-50, il sert à rien. On a aucun... C'est pas ouais. Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Allez. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. On appelle qui mais maintenant? Cette fois-ci, votre ami va avoir son importance. Voir, nous l'appelons tout de en suite. En vrai, c'est des livres, donc quelqu'un de jeune, il pourra pas répondre à ça. Donc soit sa, ouais, sa femme. Non, sa femme. Non, j'aurais dit peut-être son fils en vrai. Ah, peut-être son fils. Ouais. Parce que lui, il est déjà pas très. Vas-y, appelle Théo. Vas-y. Allez. J'espère qu'il va pas dire de la merde. Bonsoir, vous êtes Théo, mon frérot. C'est maintenant. Des millions. C'est ton moment. Comment allez-vous? Très bien. Salut Théo. Je suis en bonne compagnie, mais désormais nous avons besoin de votre aide. Enfin, surtout moi pour le coup. Écoute bien, Théo. Parce que là, allez. Je sèche complètement. Dis-moi que t'es sûr de toi, tu les as tous pas. C'est évident, évidemment. C'est avance B, c'est évident. Ok. Ok, Théo. Donc c'est la guerre des chats, la guerre des clans. En vrai, c'est plus cohérent parce que tu vois, c'est entre les chats, ils se font la guerre, tu vois, plutôt que ouais, les mais... chiens et que des oiseaux. Ouais, mais souvent, les chats, c'est solitaire, tu vois, c'est pour ça que... Bon, vas-y, mets mes chats. Bon, allez, de toute façon, si c'est pas ça, Théo, on va le goumer, ça. C'est... Si c'est pas ça, ça sera de la faute de Théo. Ah. Et ce on mettra Théo 0 IQ dans les commentaires. Dernier mot. J'avoue, Théo 0 IQ. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Et voilà. Oui, oui, oui. Oh putain, on mettra Théo le BG. Les humains, c'était un pied, c'était sûr. Vous voyez, c'est dans les vieux pots. Théo le BG dans les commentaires, les gars. Candidats. On va le retrouver, on va lui envoyer un don. On a gagné combien là? 8000 euros, je crois. On a 4000. 4000. Avec cette Théo, mon frérot. Du coup, je sais plus, gros. La partie se corse. Théo, il y a Wang qui est en contrat qui joue le rôle d'Azel. Oh putain. Celle qui joue dans Divergente et je sais pas comment elle s'appelle. Ah bah là tu m'aides beaucoup. Attends. Jennifer Lawrence. Allez, Pablo, réfléchis. J'ai une vraie question, c'est comment des enfants? Des enfants. Ouais. Après c'est un film pour gosses, tu vois. Enfin, c'est pas gosses. Ouais, je sais, mais de là connaître les noms des acteurs. Moi, il y a que Jennifer Lawrence qui me parle. Mais bah, en fait, c'est juste parce qu'il y a juste son nom qui me parle, tu vois. Mais genre, je dis peut-être de la merde. Je n'ai jamais vu ce film. Bah, moi je l'ai déjà vu. Au contraire, j'ai jamais vu non plus. Mais... Moi je l'ai vu, j'ai même eu le livre. J'hésite du coup. En vrai, Chloé Grace Moretz, ça me dit quelque chose un peu. Bah, attends. Après, tu disais c'était la même qui a fait Divergence. Ouais, c'est la même. C'est quelqu'un de connu, tu vois, un peu. Parce que si c'est ça, c'est pas Jennifer Lawrence. Elle a fait Divergence, 100%. T'es sûr? Ouais. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que...
j'ai pas envie de sécher un deuxième joker, mais en même temps, ça pourrait... Genre, tu sais, si tu demandes l'avis du public, par exemple, là-dessus, ça pourrait grave nous aider, je pense, tu vois. Parce que gros, attends, mais moi, Jennifer Lawrence, je la vois pas du tout... Non, Jennifer Lawrence, c'est pas ça. Je la vois pas du tout dans... Divergente. Parce que là, tu vois, on sèche vraiment fort. Genre, si les autres questions, elles sont plus simples qu'on les a, on pourrait y répondre en one shot. Là, je pense que... Après, vous savez qui c'est En vrai, moi, la A, elle me dit fortement un truc, mais je sais pas dans quoi. Et la B aussi. Bah, c'est ça. Moi, je me dis, moi, je connais que Jennifer Lawrence, mais n'ayant pas vu le film et connaissant pas du tout, je pense que c'est pas ça déjà. Tu vois, c'est pas du tout ça. Ouais, non, mais tu vois, du coup, comme je connais, je pense que c'est pas ça. Après, moi, je demanderai le public sur ça, tu vois. Je demanderai le public. Ouais. Mais moi je mettrais une après, petite question. Après, c'est comme vous voulez, les gars, mais ce problème 50-50, c'est que si on a A, C ou A, B, on ne saura pas. Le switch A, En vrai, on a encore plein de questions, on n'a même pas fait la moitié. On a encore plein de questions. Après, il y a des questions, des fois, ça vient direct, hein, mais là. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que déjà, la A et la B, la D et la B, c'est mort. La B, c'est mort ? Pourquoi ? Ouais. Ouais, parce que elle a pas joué dans ah c'est celle qui joue dans bah après si Clément il est sûr qu'elle a joué dans Divergence c'est B et D c'est mort je sais pas du tout qui moi je te dis c'est moi j'hésitais du coup entre le A et la B hein. Du coup si tu me B c'est mort moi je dis c'est la A bah pour moi c'est qu'en vrai moi j'ai B, déjà Chloé elle a jamais joué dans Divergence après c'est la protagoniste principale. J'en aurais entendu parler, c'est pour ça que Shailene Woodley, ça me dit quelque chose. Maisie Williams, jamais entendu parler. Non, Maisie Williams, je connais pas non plus. Donc là, on fait quoi Vas-y, ma gros, moi, j'ai des balls, moi je dirais A. Après, c'est vous qui Shailene, moi, si tu nous dis que c'est pas B, du coup, il hésite entre A et B. Moi, je suis sûr que c'est A, du coup. Faites-vous confiance sur ça. Je suis quasiment sûr, déjà, pour moi, B, elle en fait pas partie, Chloé, elle en fait pas partie. Les gens, ils croient que c'est sa sœur, Chloé. pour moi, si t'es sûr qu'elle a joué dans Divergente, elle n'y a pas joué. Voilà, moi je te dis c'est là. Oh, alors. Vas-y, allez, on porte nos balls. Vas-y. Pour la réponse. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Et non, c'était la D. Let's go! Oh bon. Bien joué les mecs. C'est la bonne réponse. Bien joué les mecs. C'était tendu celle-là. Une 8000. Bonne réponse. On s'en sort bien, Quel talent, mes aïeux. Deux questions avant le palier, je pense. Bon, par contre, les jokers, va falloir les. Ça va, on a utilisé qu'un. Maintenant que vous avez relâché la question, voici une nouvelle question. Ouais, c'est facile. C'est sauter. Ouais. Oh. Ouais, c'est bon. T'as envie de mettre une question comme ça avant c'est qu'on mettre... a... enfin, après c'est qu'on on va juste faire avant. Un petit cours de français. Bouée, quel est ce mot? Bouée, c'est un nom féminin. Dans. J'en ai mais où est donc non dans. Ah ouais, j'ai fait pas du tout, j'ai fait mais où est donc. C'est pas ça. Bonjour, ça dégage un sens, c'est pas ça. Bah dans, c'est pas un verbe de toute façon. Vas-y, enchaîne pour qu'on perde du temps sur toi. On s'assure. Je me dois de vous le demander. On veut assurer les 12 000, mec. Je ne m'y attendais pas, mais c'est personne la bonne réponse. Bon, par contre, il faudra revoir l'ordre des questions. Vous voyez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. Allez, la question du palier, là, c'est maintenant. C'est maintenant où je... C'est maintenant que tout se joue, les gars. La partie est bien lancée, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Merde. Est-ce qu'il y a un groupe de K-pop collaboré avec Lady Gaga ? Trois chansons. Aïe. Moi là, je sèche complet. Hein. La K-pop, les gars, je peux pas vous aider. Moi non plus. La K-pop. Tu vois, déjà sur les noms, il y a rien qui me... Sans mentir, tu vois, c'est pour une question comme ça qu'on garde le switch, tu vois. Une question où aucun nous a la moindre idée, tu vois. Je suis d'accord avec une question pourrie comme ça, tu m'excuseras, mais... Bah après, tu vois, soit on peut prendre l'avis du public. Ouais, comme ça, si on est trop haut, ça va peut-être nous brain et... Ouais, mais moi, j'aurais vraiment switch sur ça, parce que l'avis du public, ça tombe, ils en savent pas. Enfin, tu vois, genre le public, moi, je l'aurais mis si on a un petit doute qu'on sait pas trop, mais là, on a vraiment rien, switch, on a rien. T'as raison, on n'a jamais eu autant rien.
Mais sinon j'aurais dit Blackpink comme ça, juste parce que j'ai dit lacet. Quoi, vous choisissez du Vicks, bon, ça qui veut rien dire. Du Vicks, ouais, c'est on bien sait pas. Vicks Vaporum. Oh, il est chaud. Oh mec, si j'avais su. Concentrez-vous, voici une nouvelle question pour vous. Oh frère, c'est la mer Méditerranée. Ouais, pour moi, ça paraît. C'est pas la mer du Chine. Non, c'est si tu veux. Parce que c'est mon majeur de l'Antiquité. La mer noire. La mer noire. De toute façon, l'Antiquité, t'entends toujours parler des Grecs de l'Antiquité, donc c'est la mer Méditerranée. Bah, pour moi, ça se battait toujours autour de la Méditerranée au niveau des. Bah oui. Ah ouais, ouais. La Mésopotamie, tout ça, donc ouais, pour moi, c'est la mer Méditerranée, c'est au plus. Bah, allez, on part sur la Méditerranée. Vas-y, de toute façon, la mer de sable, je connais même pas. Bah la mer de sable et la mer de Chine, gros. Non, mer de Chine, c'est pas en Europe, de toute façon. Mais à l'Antiquité, je te dis, tu es toujours. Ouais. Par contre, la mer Noire, je sais pas du tout, gros. C'est possible. La mer Noire ? Non, la mais mer vas-y, noire. Vas-y, vas-y. On a toujours entendu parler de la Méditerranée, faut se faire confiance là un peu. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Le moment est venu. Mon dernier mot. Quelle sera la bonne réponse ? Mais non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh putain, t'as la pression qu'il a mis. Allez, le palier. Bon, dans tous les cas, on est à 24 000. Allez, 5 questions pour le million. Il nous reste 2 jokers. Et voici une nouvelle question 50-50 qui, et puis, je l'espère, qui est Eragon. Vous poser de soucis. C'est... Ah, c'est un dra... Je sais que c'est un... Le livre, il parle d'un dragon. Ouais. Mais je sais pas du tout. Eragon, si... le chevalier, je pense. Mais je sais Eragon, pas du tout le pays. Qui c'est. Eragon. Bah, sûr, c'est pas un dragon, 100%. Ce serait trop ouais. Simple. Eragon, le parle... chat, c'est bizarre. Non, non. Déjà, ça, on peut l'enlever. J'ai déjà vu la première page du livre d'Eragon, c'est un dragon. Mais le souci, c'est que je sais pas si c'est une forme de chevalier ou quoi. J'ai déjà lu la première. J'ai déjà vu la première page. J'ai jamais ouvert. Ouais. J'ai vu la première. J'ai vu la première de couverture. Mais, non, mais tu connais par l'époque où t'allais au CDI. Eragon. Eragon le paysan, c'est stylé en vrai. Après, c'est juste stylé. Hein, un paysan qui finalement, hop, il parce a niqué un je dragon. Je sais que en soi l'histoire va parler d'un dragon, mais est-ce que c'est le dragon ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est. T'as lu. De toute façon, c'est un truc d'enfant, Eragon. C'est ouais, c'est quand même un gros bouquin quoi. Ouais, mais ouais, c'est pas un roman quoi. Il y a forcément un film qui a été fait de ça. Ah, en vrai, c'est vrai que d'instant, bah, Eragon, un dragon, tu vois, ça paraît. Genre, je dis pas que là, tu vois, il dit c'est peut-être un piège, mais c'est surtout que le mec qui a écrit le livre, il s'est sûrement dit, ça paraît logique, tu vois. Genre, tu cherches un nom de paysan, tu t'emmerdes pas à chercher Eragon quoi, tu vois. Bah surtout que tu dis dragon, tu changes juste le ouais, D, c'est ça, ça fait dragon. Quoi. Il s'est dit, vas-y, comment on va l'appeler? T'enlèves le D, tu mets un E, vas-y, basta, Eragon. Juste la lettre de l'alphabet après, après c'est bon. Eragon le chevalier. Moi, j'hésite entre dragon et chevalier, tu vois. Bah, moi, c'est pareil, du coup, parce qu'en vrai, paysan, je vois pas, le chat, bah, c'est mort. Bah, puis moi, je paysan, sais juste il aurait, que... Il aurait mis vrai, un nom de paysan, tu vois. La première de couverture, c'est un dragon qu'il y a dessus, donc après... C'est voilà. Sûr, ouais. Dragon, ça m'étonnerait... Il aurait mis Tristan le paysan, un truc comme ça, tu vois, un truc qui rime, un truc marrant pour enfants. Et puis... Parce que là, on joue pour la onzième question. Tristan le paysan. Eragon le dragon. Eh, mais c'est pas les. Ah non, il n'y a jamais eu le dragon. Tu sais, genre Mimi la fourmi, je sais pas quoi, tous les livres comme ça. Eragon le dragon. Ça, c'est pas Eragon plutôt que Eragon ? Si, si, c'est. Bah, moi, je l'ai toujours ouais, dit. Ouais, bon. Hein. Et. On a d'autres et problèmes ouais. Là, on a d'autres chats à fouetter là, je sais pas si t'as vu. Ah mais... la faute, prends son sur, je m'en branle. Bon allez, un dragon. Non, moi, dragon. Moi je dirais pas dragon. Tu mettrais quoi toi? Moi je dirais soit un paysan, soit un chevalier, parce qu'en soi, un paysan qui vient niquer un dragon, tu vois, ça fait un beau livre, tu vois. Ouais, mais ils auraient pas dit Eragon a battu le dragon, ça serait... Je sais pas, ouais. Comme vous voulez, moi, je prends pas la responsabilité. Je sais pas. Moi j'aurais tenté le dragon. Après vas-y, si tu veux prendre un joker, mais le problème c'est qu'après les jokers on en aura besoin pour les dernières. Bah là faut se dire qu'on joue pour la question à 36 000. Donc derrière il nous restera 4 questions et si on prend un joker il nous restera plus qu'un seul. Pour 4 questions. On n'a pas le droit à l'appel à un ami maison. Moi je dis bah en vrai moi, je dis, moi personnellement je dirais un chevalier. Vrai. Oh, je sais pas. Bah, et tu sais quoi ? Ouais, mais en même temps, le 50-50, ils vont nous laisser dragon chevalier, on ouais. Aura pas l'air con.
Bah, c'est ça. Sauf que s'il nous laisse dragon chat ou chevalier chat, tu vois, on est bien. Mais. Bah, après, le jeu, je pense, il est très bien fait pour nous donner les deux trucs les plus probables, tu vois. Bah, en fait, ça dépend parce que tout à l'heure, genre. Ouais, en fait, je sais pas. Après, c'est de l'aléatoire quand même, tu vois. Je sais pas du tout. Franchement. Moi, je dirais pas dragon, c'est sûr. Ce serait trop simple et. C'est trop évident. Est-ce que vous voulez pas faire plutôt l'appel au public? Parce qu'en vrai, nous aussi. Dis-toi après qu'on a encore que 5 questions derrière. Mmh. Ouais, mais bon, après, regarde, en soi, on a eu des questions. Vas-y, fais le public. Fais le public. Ouais. Par contre, si le public il dit dragon, moi je les suis. Moi, ça me parle dragon. Je dirais chevalier. Si, c'est bien le truc des auteurs, public, genre Eragon le si dragon. Si vous connaissez la réponse, il aurait jamais mis Eragon le paysan, genre c'est débile. Moi je dirais le chevalier. Attention. Le paysan. Aïe. Grolon part complètement à l'ouest. Non, par contre, vraiment. Mec, le dragon 1%. Ouais, mais gros, vraiment le paysan pour moi c'est pas ça. Hein. Je suis pas vrai. Bon, j'allais dire, on règle ça comment? Je sais pas. Moi j'ai dit c'est un dragon, on fait un truc. Si à la fin, vous faites ce que vous voulez. Si c'était un dragon, c'est vous qui remboursez. Moi je pense que c'est pas un dragon. Les 72 000. En même temps, le public, qu'est-ce qu'il en sait déjà le public? Bah, c'est. Je sais pas. Hein. En vrai, vas-y. Suis le public, un paysan. Moi, je suis en gros. Si, jamais. Suis le public. Jamais. Le livre. Moi, pour moi, je suis écrivain. Le paysan, à la fin, il nique un gras. Bah oui, mais tu l'appelles pas Eragon, le paysan. Si, tu l'appelles un nom. Tu l'appelles un nom d'enfant qui. Comme ça, moi, les enfants, ils font. Ah, il s'appelle comme moi, je peux pouvoir battre un dragon. Non, comme ça, après, il devient chevalier parce qu'il a tué un dragon. Et bam! Bah dans ce cas, tu l'appelles Eragon le chevalier. Et peut-être. Au début, c'était un paysan. Bah ouais, il mais. Était là, et c'était un fermier, il élevait des vaches, et hop, le dragon il brûle sa ferme, il va se venger parce qu'il a niqué toute sa famille. Je dirais la réponse B, et ce, sans hésiter. Sans hésiter. Votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse? Vous êtes des têtes de nœuds. Non, c'est pas mon dernier mot! Non! Oui! Et voilà. Félicitations. Avec ça, je suis pas la star de la famille. Et raconte le paysan. Let's go, mec. Et on va aller sur ça. La parole, je vais lire le livre. On va aller voir l'histoire des ragots. J'ai une nouvelle question. Comment appelle-t-on le petit gilet porté pas pour danser? Porté. Gilet porté pour danser. Un cache-cœur. Je pense que c'est un cache-cœur. C'est un cache-cœur, c'est simple. Je pense que. Tu sais, quand t'as plusieurs cache-cache, il y a deux trucs qui veulent rien dire. Là, cache-cœur, c'est un truc connu, ça me dit quelque chose. Et. Ouais. Ah, cacham, ça fait beaucoup trop en vrai. Cacham, non, cacham, ça. C'est trop agressif, c'est du truc noir. Ouais, cacham. Ouais, cache-poitrine ou cache-cœur, gros. Bah, non, cache-poitrine, c'est trop chelou. Moi, je t'aurais dit cache-cœur. Bah, j'aurais dit comme lui. Moi, je dirais cache-cœur. Ouais. Moi, appelle-t-on ouais, le petit gilet c'était... Mais cache-cœur, c'est... Ouais. Moi, je dirais cache-cœur. Il m'a sauté aux yeux. La réponse C est la bonne. J'en mettrai ma main. À l'unanimité, on perdra ensemble. Cette phrase est mythique. Au feu. Le choix est oui, fait. C'est mon dernier mot. Cette phrase mythique. Je ne m'y attendais pas. Yes. C'est effectivement la bonne réponse. Oh, aïe, aïe. On a encore le switch, c'est ça? Oh, on est bon. Soulagement. 50-50. Fuck. Et il nous reste deux questions. Là, on est à celle à 150. Vous êtes prêts à braver après, les pièges de cette prochaine question? 150, 300. Bonne chance à vous. Pourquoi ça parle que de livres? Je jure, ça parle que de livres, mec. Le nom de la trilogie qui fait suite à Saga Littère, magique. Aïe. J'en ai aucune foutre idée. On a plus que le 50-50 en plus. Aïe. Gros, là, c'est le moment de faire 50-50 et on met une boule sur la table. Ah ouais, en vrai, c'est grave ça. Comme ça vrai, on avait dit 72 000, c'est le palier qu'on avait aussi. Hein. Ouais, c'est le palier. Mais le problème, c'est que si on snoop, on retombe à 24, c'est ça le problème. Vas-y, mets 50-50. T'es là aussi. Non, on tente le 50-50. Attends, juste comme ça, avant de faire 50-50, qu'est-ce qui vous parle comme ça? Magique. Non, la trilogie magique. Bah, ça paraît. Moi, j'aurais mis physique, du coup, tu vois. Bah, après, ouais, mais justement. Ce serait trop simple. C'est magique, physique. Fais le 50-50 en moon. En vrai, moi, Todd Hunter Moon, je sais pas, ça me parle. Septimus Hep. Non. Septimus fait penser à
Optimus Prime, c'est pas ça, c'est Chao. Vas-y, mets 50-50. Aïe, aïe, aïe. Nous allons retirer deux mauvaises réponses dès maintenant. Ah. Moi, j'aurais mis la C, en vrai. Ça, quoi. Septimus Ape. Vas-y, gros, j'en sais rien du tout. Septimus Ape. Au pire, on vote, et là où il y a deux votes, on met. Moi, je mets la C. Je mets la A. Vas-y, la A. Là aussi, parce que là c'est... Putain... Ça n'a rien à voir. Mais j'en sais rien du tout, mais... Clément, t'es prêt à te faire vieux le cul. Ouais, bah moi j'ai... Quoi ? Désolé. Attends, avant de dire que c'est ton dernier mot, attends. Vous êtes sûr de vous, là. Vous savez, les représailles, si c'était pas la bonne réponse. En vrai, moi, c'est ce que je vois le plus logique entre guillemets, tu vois. Magic, c'est... Vas-y, appuie. Clément, tu seras l'unique responsable de cette mascarade. Si tu gagnes, t'as tout mon mérite. Par contre, si tu perds, tu seras l'unique responsable de cette mascarade. Je suis désolé, je voulais pas. Et les gants, je suis vraiment pour 72 000. Les 72 000 qui s'envolent. Non ! Ah, je l'avais dit ! Vous auriez dû vous écouter davantage. Je suis désolé. C'est une mauvaise réponse. C'est une sagaille sur la lune. Ta gueule ! Quel échec. Je suis pas fier de moi. Non. La partie est terminée. Mais vous repartez tout de même avec une... J'ai juste entendu. Non. C'est bon, tu es le seul responsable. Putain, Clément. 24 000 divisé par 3. C'est bien. Aïe. Allez, abonnez-vous. Ciao. Bisous. Ciao.